Salut, bonjour. Je partage tout de suite mon écran avant que tout ça flash dans tous les sens, n'est-ce pas? Pour me dépêcher de vous mettre en ligne une vidéo qui est en train de fuir sous mes doigts, hein, vraiment sous mes doigts. Elle s'appelle, j'essaie de la télécharger en même temps, hein, oui, bah, écoutez, on ne sait jamais, peut-être que j'aurai le temps. C'est une vidéo de Chris Sky, Sky. Il y a un programme de protection des témoins de ceux qui ont été victimes des spritch Covid et qui en sont morts. La famille de Damar Hamlin, qui est un sportif qui est censé avoir calanché, hein, et qui a été remplacé par un clone, enfin par quelqu'un qui joue son rôle, elle a été payée. Elle a été payée et relocalisée ailleurs aux États-Unis avec... Enfin, vous allez voir, je vais vous développer ça. Ça chauffe dur, dur. Puis alors, il se bagarre. Hein. C'est ballot, hein, parce que moi, je voulais vous parler de la médecine de Tesla et tout ça. Un superbe article du site nouveaumonde.ca. Nouveau-tiret, donc trait d'union, monde.ca. Et non, eh ben, paf, on va tomber sur... Ah, c'est pas drôle. Non, mais moi, je me régale quand même parce que quelque part, bon, Chris Sky, il existe un programme de protection des témoins de décès par vaccin. Alors, on va essayer de. Je vais vous traduire la vidéo originelle, hein, et puis après, je vous lirai l'article qui, lui, va pas s'en Hey aller. everybody, update on the Travis Scott concert situation in. Donc, salut, messieurs, dames, je viens vous faire une mise au jour. Une update sur les infos vis-à-vis de ce concert de Travis Scott, où il y a eu une bousculade avec 300 blessés, certains morts, enfin bon, une dizaine de morts a priori, et ceci, cela. Il y a des gens qui ont dit, ils ont fait un test pour balancer des ondes, pour stimuler le graphe et créer donc des gens sous contrôle mental. Bon, ça peut être une possibilité d'utilisation de ces nanotechnologies quand elles ne subjuguent pas la physiologie du personnage qui calanche. Calancher, dans l'ancien français, ça veut dire mourir. Hein. Donc là, si vous voulez aller chercher cette vidéo sur BitChute, ce channel est restreint pour contenu incitant à la haine. Ah non, mais attendez. Il y a un YouTube Gate qui est en train de bouillonner là, vous voyez, comme il y a eu le Twitter Gate, c'est ça, Elon Musk qui a racheté Twitter. Hein, donc maintenant, on essaye d'accuser Elon, mais en fait, il y a un Twitter Gate, vu que Twitter a été hyper corrompu par plein de gens, en fait, hein, que ce soit le FBI, le DOD, ou aujourd'hui Big Pharma, ou tous les sujets chauds ont été censurés, shadow bannés, vous savez, vous connaissez toutes ces histoires-là. Donc, alors voilà, on reprend la vidéo en question. Elle est courte, hein? Je vais tâcher d'être assez bref. Elle fait 4 minutes. Texas. So for those of you who don't know, originally when this all happened, Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, quand ça s'est produit, a bunch of kids either collapsed or died suddenly il y a and eu plein de gens qui se sont effondrés ou qui sont morts soudainement, sans explication évidemment. Hein. we're talking kids age like 12 to young adult age of like 18 to 20. Donc, c'est des gens qui avaient entre 12 à 18, 20 ans. When that all happened, I got a call from someone who was a direct relative of an 18-year-old girl who was Donc, il connaît quelqu'un qui était un proche d'une des filles de 18 ans one of the girl people who collapsed qui s'est effondrée, but did not die. mais n'est pas morte. She spent the next, I think it was about 4 to 6 weeks in and out of hospital. Elle a passé les 4 à 6 semaines suivantes dans un hôpital, Being put on medication, being run on tests. sous test, subissant plein de tests et en étant soumise à un traitement médical, So she died of organ failure. et jusqu'à ce que finalement elle finisse quand même par mourir d'un déficit de je ne sais pas quoi. Warning, warning, j'ai pas bien compris.
Morning, non, c'est pas le... ni warning, mais enfin, je sais pas, j'ai pas bien compris. Enfin bon, mort inexpliquée. Pardon. Suis à bout de nerfs hein, quand je traite ces sujets. Ben, je suis pas à bout de nerfs, je suis pas du tout à bout de nerfs, mais on en arrive à un tel foutage de gueule de notre intelligence que c'est ridicule de laisser des gens comme ça nous parler là. Je sais pas, je sais pas. Moi, ça, c'est encore des gens, à mon avis, ils laissent les enfants de 3 à 5 ans gérer le budget de la famille, vous voyez, hein? Donc, on va acheter des carambars, hein? Papa, donne-moi ta paye, je vais acheter 2 tonnes de carambars. J'en sais rien, hein? Je dis ça un peu comme ça. Hein? C'est à peu près le niveau mental de ces gens-là, a priori. Enfin bon. After that, I never heard back from the family member Après ça, il n'a plus jamais entendu parler d'elle ou de sa famille. or anybody else in the family until 2 days after the Monday Night Football. Jusqu'à 2 jours après cette rencontre de football de lundi soir, Incident where he dropped suddenly on the field. où Devlin Hamlin, là, comment il s'appelle, le sportif, Damar Hamlin, s'est effondré. And they canceled the game. Et ils ont même annulé la partie de foot, All of a sudden, I got a call enfin, le sport, là. from Texas from a different number. Et puis, il a eu plein de rapports en provenance du Texas, de différents numéros. And it was the same relative, and he told me he had a really hard time getting a hold of me, but Et c'était le même proche de la personne qui lui a dit qu'il avait même eu beaucoup de mal à essayer de le joindre, lui, là, qui nous parle, he had a lot to tell me. et qui avait beaucoup à dire. He said that after his family member passed away, Il a dit qu'après que les membres de sa famille soient morts, 18-year-old female, dont justement cette fille de 18 ans, Moderna, she was given the Moderna vaccine. Moderna, puisqu'elle avait reçu un speech de chez Moderna, He basically came and paid the family était venue, avait payé la famille a whole bunch of money. beaucoup d'argent Keep quiet. pour qu'elle se taise, qu'elle reste calme, qu'elle se reste tranquille, qu'elle disparaisse, quoi, hein? And also relocated them. Et en plus, il les avait déménagés, il les avait relocalisés. Relocation en Amérique, c'est le moment où vous déménagez pour trouver un endroit où vous serez en survie par rapport à un lieu où il va y avoir une catastrophe. Si vous habitez autour de Yellowstone, par exemple, qui a commence à avoir des fumerolles un peu trop excessives, des tremblements de terre, enfin, tous les prémices d'une explosion volcanique, vous êtes relocalisé. Hein, voilà, dans ce sens-là. To a different part of Texas, Alors, ils ont été relocalisés dans différents endroits du Texas. gave them new phones, On leur a donné de nouveaux téléphones, new numbers, nouveaux numéros, new addresses, nouvelles adresses, new identities, nouvelles identités, almost like a witness protection program. tout à fait comme un programme de protection des témoins du FBI. And they Vous were. savez, il y a des gens, des fois, ils témoignent contre la mafia, mais après, comme leur vie est en danger, parce que même si le boss est au trou, il y a des men in black, enfin, il y a des tueurs, hein, il y a des... comment on appelle ça déjà? Bah, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui peuvent avoir un contrat sur vous, quoi. Vous pouvez avoir un contrat sur votre vie, quoi. Reprenons. Ah, s'il veut. S'il veut. Il veut pas. He's almost like a witness protection program. And they were told they had basically two options. Either they were On leur a dit qu'ils avaient 2 options. going to get destroyed in the media and destroyed Auquel cas, sinon, on les détruirait dans les médias in other ways ou d'autres manières. if they spoke up about this or they could take the deal. Si jamais ils reparlaient de cette situation, de ce problème, de ce cancer, des morts dans leur famille, de tout ça, enfin bon, hein. Take the money, take the new identities, Donc prenez l'argent, prenez votre nouvelle identité and basically just et faites-vous oublier. help them cover this up, help them sweep it under the rug. Well, that didn't sit well with this guy, so he came and told me about it, and I told you guys about it. Donc ce gars a réussi à me joindre et m'a raconté tout ça. Donc il nous le dit. Since then, people have been questioning the veracity of this. Donc, depuis qu'il y a des gens qui se posent des questions sur la véracité de toutes ces affaires,
Et que j'ai été contacté par une chercheuse dont je ne sais pas si elle vous, elle apprécierait que je donne son nom. Mais elle lui a fourni les documents des militaires et du gouvernement confirmant la chose. That prove in writing Qui prouve that what I describe que ce qu'il décrit là is the standard operating procedure est une procédure opérative standard for military, pour les militaires. Especially the military and government. Et spécialement quand les militaires ou les gens du gouvernement no, they are killing civilians. They savent qu'ils ont tué des civils no, it is against the law. Et que c'était contre la loi. And they have multiple remedies to deal with this. Et ils ont plein de solutions pour remédier à cette situation ambiguë, on va dire. And the most common is what we describe. Et la plus commune d'entre elles étant ce qu'on décrit là. Pay off a relocation. Une grosse somme d'argent, un déménagement discret, une nouvelle identité et faire disparaître toutes les preuves. C'est une histoire incroyable ce que je vous raconte là, dit-il. Non, parce que ça, ce n'est pas juste le dessus de l'iceberg. Parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de cas dans ce genre. In the United States. Aux États-Unis. And if you go around the world, et si jamais vous aventuriez ailleurs sur la planète, you're talking about millions, vous allez être confronté à des millions de cas, of people whose lives were affected, dont des millions de personnes dont la vie affected or even ended, a été affectée, voire même a été terminée à la suite du speech. By these injections, and every single government official knows. Et tous les officiels du gouvernement savent ça, sont au courant. Every pharmaceutical official knows, and if tous les, je crois ce qu'il a dit, c'est tous les officiers, les travailleurs pour la pharmacie savent. If you think it's an accident. Si vous pensez que c'est un accident, that Fauci just retired at the end et que Fauci a juste pris sa retraite 2022, à la fin de 2022, after death, encore, d'ailleurs, son remplaçant, là, Othèse, il est encore pire. Il est encore pire. Le gars a 3 semaines d'intervalle, il peut vous dire tout et son contraire. Ça va être le remplaçant de Fauci. Fauci, c'est la petite mort. Ah non, la grande faux et le petit Fauci. Ah non, je déconne. Decades and decades on there, just because. Donc, je reprends juste ces trois mots-là. Official knows, and if you think it's an accident that Fauci just retired at the end of 2022 after decades and decades on there, just because he's at a certain age and whatever. Ah voilà, qu'il ait juste pris sa retraite après avoir passé des décennies à son poste. No, et qu'il était juste un peu fatigué. À la suite de sa dévouement à sa profession et à son compte en banque. Ses comptes en banque. Il n'y a pas que le compte en banque, en fait. C'est surtout sa mission. Encore, c'est moi qui le dis là. Mais tous ces gens-là ont une mission de destruction de l'humanité. Ces gens-là ont signé le protocole des singes du Fion. Quelque part, avec leur sang, bien sûr, hein. Oh, sûrement. Mais je déconne, j'ai le cube. Allez, on reprend. We're about to move into phase three. Hold. Donc, et tout ça, ça nous amène juste à la phase 3. Holding these people accountable. And essayer de pouvoir rendre ces gens responsables. They can only plug so many leaks in the dam before the cracks overwhelm. Ils ne peuvent finalement qu'utiliser un certain nombre de ressources aléatoire pour essayer de camoufler les choses avant que cette crevasse ne s'ouvre, que cette oui c'est ça, avant que la crevasse ne se rouvre. C'est comme s'il y a mis des agrafes sur une cicatrice, ils peuvent en mettre que un certain nombre, mais bon, s'il y a trop de tension, la cicatrice va s'ouvrir quand même, on va dire, hein, c'est un exemple.
Ah, vous voyez que. We're about to move into phase three, holding these people accountable. And they can only plug so many leaks in the dam before the cracks overwhelm, explode. And... Ah oui, c'est pas une cicatrice, c'était un barrage fissuré. Donc, on ne peut faire qu'un certain nombre de réparations provisoires avant que de toute manière le barrage ne pète. This information comes flooding out. Et que l'information finisse par inonder le peuple. And I'm going to keep chipping away at that dam, and there's nothing they can do about it. Et donc, on ne va pas cesser d'en parler, de ces fissures dans le barrage, jusqu'à que tout explose. Je pense qu'il a dit ça. Exactly what's going on, and I'm going to even include the documents that were sent to me. Alors, bon, je cite donc les documents qui lui ont été envoyés. So I would love to see the government deny this. And I... Donc, il aimerait bien voir maintenant le gouvernement dénier la réalité de ces documents. Love to see them try to discredit this. Et essayer de discréditer ça. This is what's happening. This is how Moderna, Pfizer... Ça, c'est ce qui est en train de se produire. C'est ce que MODERNA et PFI XXXER font. You recall Pfizer paid out billions, billions. Ils ont payé des milliards in a fine for misleading and false advertising. D'amende pour de fausses informations, escroqueries en bande organisée. Which ultimately caused the death of all kinds of people. So if... qui ont escroqué, qui ont fini par causer la mort d'un certain nombre conséquent de gens. You think this is beneath them, or you think this is beneath the government, or you think... Si vous pensez que ça c'est en dessous d'eux, en dessous du gouvernement, this is beneath the military, ou sous l'ordre des militaires, well, wake up, ladies and gentlemen. This is the reality of the situation. Non, mais alors réveillez-vous, les gens. C'est la réalité de la situation. Tout ça est bien au-dessus. And it's only going to get a lot worse from here as they try to... Et tout ça va encore s'empirer. Pass laws to make... jusqu'à ce qu'ils finissent par même passer des lois. Make videos like this. Qui vont interdire la petite vidéo qu'il est en train de nous faire. Illegal for me to even tell you what's going on. Il va devenir... Hey everybody, update on the Travis Scott concert. Donc, allez tous vous renseigner sur ce concert de Travis Scott et la situation. So for those of you who don't know, originally when this... Ah ben, ça, c'était reparti, là. J'étais en train de reprendre. J'ai pas vu. Vous n'avez pas de chance, c'est moi qui traite le sujet. Chris Kay, il existe un programme de protection des témoins de décès par VACCIN. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la tristement célèbre catastrophe du 5 novembre 2021 pour le concert de Travis Scott, au cours duquel plus de 300 personnes ont été soignées pour des blessures par les premiers intervenants sur place, 25 personnes ont été hospitalisées et 10 personnes ont été jugées décédées d'un accident, une asphyxie compressive. Il y a eu des rumeurs âprement démenties, selon lesquelles il y aurait eu une expérience néfaste menée lors de l'événement, dans laquelle des fréquences ont été utilisées pour activer l'oxyde de graphe dans les corps des membres spritchés du public, les obligeant à être physiquement télécommandés, MKUltra, à distance. Targeted individual, presque. Hein. Alors, encore, il n'y a pas que ça. Hein, les fréquences, enfin bon, j'ai perdu le fil là, mais les fréquences, elles ne font... Il n'y a pas que l'idée de faire un contrôle mental, quoi. D'ailleurs, c'est vraiment finalement rare d'arriver à faire un contrôle mental, mis à part le fait que les gens spritchés changent de caractère, hein, c'est officiel. Hein. Il y a des toubibs qui l'ont remarqué, hein, et des toubibs spécialisés dans la psychologie, évidemment. Hein. Et puis de toute façon, vous avez tous remarqué, là, si vous fréquentez des gens qui l'ont été, que leur caractère change. Reprenons. Chris Sky affirme qu'il avait parlé à un membre de la famille d'une femme de 18 ans qui s'est effondrée lors d'un concert et a survécu, mais a été hospitalisée pendant des semaines et est décédée plus tard d'une défaillance d'organes. Voilà ce que je n'arrivais pas à traduire. Une défaillance d'organes. Pourquoi je ris? Mais c'est comme quand on dit que quelqu'un il est mort par arrêt du cœur. Mais c'est tellement... Évidemment, en fait, tant que le cœur n'est pas arrêté, vous n'êtes pas mort. Donc, évidemment, tout le monde meurt d'arrêt cardiaque. S'il y a tellement de manières d'interpréter finalement la phrase, donc, enfin bon, reprenons. Chris
dit qu'il n'a jamais entendu parler d'eux jusqu'à 2 jours après l'incident du lundi soir et ce match de football, au cours duquel Damar Hamlin a eu une crise cardiaque sur le terrain et a fake sa mort, a fait semblant de mourir, soi-disant, puisqu'après il est reparu. C'est-à-dire l'encadrement a fait croire que non, tout allait bien, puisqu'après on l'a remontré. Mais on l'a montré comment? On l'a remontré comme ça. Le gars, il est pris à contre-jour, vous ne me voyez pas, il fait des signes un peu illuminati, des trucs bizarres. Voilà, je vous les mettais, mais bon, je vois que ma caméra, elle a figé. Et il était derrière une vitre, il était entouré de 5-6 membres de son service, d'un service d'ordre qui empêchait tout contact, tout discours direct. Enfin, voilà. Hein. Il dit même que le parent l'a appelé pour lui dire qu'après le décès d'un membre de sa famille, point, deux points, Moderna est venu et a essentiellement payé à la famille beaucoup d'argent pour se taire, les a également déplacés dans une autre partie du Texas, leur a donné de nouveaux téléphones, de nouveaux numéros, de nouvelles adresses, de nouvelles identités, presque comme dans un programme de protection des témoins, du FBI ou autre. Alors là, je répète tout, hein, mais je conclue, quoi. Enfin, hein, vous voyez, je résume et je conclue. Je vais donc éviter les encarts. Hein. Tout de suite, j'en ai déjà fait assez. On leur a dit qu'ils avaient essentiellement deux options. Soit ils allaient être détruits dans les médias et détruits d'autre manière, s'ils en parlaient. Soit ils pouvaient accepter l'accord, prendre l'argent, prendre les nouvelles identités, déménager et simplement les aider à dissimuler tout ça, les aider à balayer sous le tapis toutes les preuves. Eh bien, cela ne convenait pas à ce type, alors il est venu et il lui en a parlé à Chris, là, qui nous parlait. Et je vous en ai parlé déjà, nous dit-il. Depuis lors, les gens remettent en question la véracité de ces faits. Puis il a été contacté par une chercheuse, dont il ne donnera pas le nom, qui lui a donné des documents gouvernementaux et militaires corroborant la preuve par écrit de ce qu'on nous dit. Et que c'est la procédure opérationnelle standard pour les militaires d'habitude, en particulier lorsque des militaires et le gouvernement savent qu'ils ont tué des civils, enfin bon, pour éviter un nouveau cas Snowden, quoi. Hein. Pas Snowden d'ailleurs, Liberate Assange. Assange qui dévoilait des trucs qui lui avaient été révélés par quelqu'un d'autre, en fait. Hein. C'est pas Assange qui avait fait une fuite d'informations gouvernementales. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Puis de toute façon, à qui profite le crime? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé durant la jeunesse d'Assange? Et qui lui a payé sa formation informatique? Rothschild, Rockefeller, je sais plus, l'un des deux. Ouah, la CIA peut-être. Enfin, je sais plus. Il y a plein. Oui. Alors, il n'a pas la vie agréable et tout ça. Enfin, ce qu'on nous en dit, hein. Mais d'un autre côté, voilà. Hein, c'est sûrement pas de chance pour lui, pas sa faute. Mais la situation qu'on nous présente n'est pas celle qu'il vit vraiment. Ou c'est pas vraiment. L'explication qu'on nous en donne n'est pas vraiment la bonne complète. Voyez. On nous en donne que des parties, ce qui nous font voir la situation que partiellement. Enfin, reprenons. Oui, j'avais dit pas non, car. C'est une histoire énorme, car ce n'est pas seulement la pointe de l'iceberg. Ce n'en est qu'un tout petit bout. Il y a des milliers, des milliers et des milliers de cas comme celui-ci, rien qu'aux États-Unis. Et si vous faites le tour du monde, vous diriez qu'il y en a des millions de personnes dont la vie a été affectée ou même interrompue par ces injections. Et chaque responsable gouvernemental le sait. Chaque responsable de la pharmaceutique le sait. Et si vous pensez que c'est un accident que Fauci vienne de prendre sa retraite à la fin 2022, après des décennies à ce poste, à gérer tout ça, à la tête du Warp Speed de Project sous l'égide de Trump, il y a encore des gens qui soutiennent Trump. Hein. Je vous l'ai dit, moi. Le prétexte est qu'il fallait garder près de lui ses ennemis de façon à les avoir sous contrôle. Ben bravo, joli coup. Joli coup. Ah, super contrôle. Il y a encore des gens, des fanatiques qui le soutiennent là. Hein. Nonobstant toutes les preuves qui sortent. Nonobstant les conspis dans mon genre qui disent que Trump, c'est une partie du Deep State. Une partie du Deep State, c'est Blackson, il me semble. Ouais, c'est pas les familles Dragon, lui. C'est le Deep State, Blackson. Et dans le Deep State, Blackson et famille Dragon, tout ça se subdivise en 15 entreprises privées militaires secrètes qui travaillent sur plein de projets, de sujets et autres. On développe ça chez Kim Goggen, hein, de temps en temps. Et... Et quoi? Et où en suis-je? Ah oui, voilà. Donc, le Deep State se tire des bâtons dans les roues, mais
se tire dans les pattes et se met des bâtons dans les roues, ok, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, c'est sur notre dos. Il n'y a pas une partie du deep state qui défend la population. Même s'il y a une partie du deep state qui laissait filtrer des William Tompkins, parlant des Terres 3B, parlant des rétro-ingénieries, parlant des technologies haut de gamme, auxquelles, avant que le public accède, il aurait fallu qu'il y ait un acte de Dieu pour permettre ça. Hein? Ça, c'est le chef des Skunk Works de je ne sais pas, Lockheed Martin, mais l'autre en face, là, ben, enfin, une autre entreprise de pointe, qui nous l'avait dit en 1998. Allô? C'est-à-dire, donc, il y a combien d'années, là, maintenant? 98 à 8, 10 ans, à 18, 20 ans, à 23, 25 ans. Et hop, 25 ans. Vous pouvez avoir fait des enfants qui sont aujourd'hui majeurs et pères de famille, voire même peut-être plus, depuis que normalement, on aurait dû avoir accès. Mais alors, vraiment, 98, c'était déjà tard. En 1955, ils maîtrisaient l'antigravité. Voir Otiscar, etc., etc. J'ai fait une vidéo, où je cherchais là, mais bonne chance, hein, il y en a 1200 des vidéos sur ma chaîne. Enfin, il y en avait. Reprenons. Il est sorti de là parce qu'il sait que nous sommes sur le point de passer à la phase 3, tenir ces personnes responsables et qu'elles ne peuvent colmater qu'un certain nombre de fuites dans le barrage avant que toutes les fissures ne submergent, n'explosent et que toutes ces informations ne soient déversées en général sur le grand public. Et je vais continuer à grignoter ce barrage et il n'y a rien qui pourront y faire. Eh bien oui, de toute façon, nous, on préfère mourir debout que mourir couché. Voilà. Parce que de toute façon, notre mort est prévue par eux. Donc, point à la ligne. Hein. Zivatarum. Hein. Ça suffit enfin. Et puis en plus, normalement, j'avoue, je me battrais pour vos enfants. Hein. Nous, notre vie, est, enfin, à mon âge, c'est bon, quoi. Hein. Quelque part, je ne m'attends pas à vivre autant que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Même si quand j'étais petit, je pensais que 400 ans, c'était une bonne moyenne. Une bonne moyenne pour faire un peu le tour du monde, s'intéresser à tout, un peu. Vous voyez, de manière un peu plus profonde que là, en 20 ans. 30 ans, 40 ans. Vous savez bien 40 ans que je me branche là-dessus. Et quand j'ai commencé il y a 40 ans, ben, j'avais déjà un bon niveau. Dans l'occulte ésotérique. Un bon niveau d'intérêt hein, et de connaissances, ben alors bien moins précise qu'aujourd'hui, évidemment. Bon, vous voyez, j'ai toujours cet encart qui vient à l'occasion, ça fait toujours plaisir, mais enfin, c'est pas grave. Task Hang. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est effectivement pour passer d'un programme à l'autre, mais je ne vois pas pourquoi, puisque là, je ne change rien. Ce n'est pas le sujet. Reprenons. Et j'ai nettoyé l'ordi dans tous les sens. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, il va même inclure les documents qui lui ont été envoyés. Donc, il aimerait bien voir comment le gouvernement va nier cela et comment il va essayer de discréditer tout cela. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ainsi que MODERNA et PFIZER, si vous vous en souvenez, ce dernier a payé des milliards et des milliards en amende pour publicité trompeuse et mensongère qui a finalement causé la mort de toutes sortes de personnes. Donc, si vous pensez que c'est en dessous d'eux, vous pensez que c'est en dessous du gouvernement, vous pensez que c'est en dessous de l'armée, eh bien, réveillez-vous, mesdames et messieurs. C'est la réalité de la situation et ça ne fera que beaucoup plus, ça ne fera qu'empirer d'ici, alors qu'ils sont d'ici peu, alors qu'ils essayent de faire passer des lois pour rendre des vidéos comme cette petite vidéo-là illégales. Et qu'on puisse plus vous dire ce qui se passe. Donc ça vient du site d'Alexandra Bruce qui s'appelle forbiddenknowledgetv.net, qu'à une époque j'ai eu beaucoup de mal de retrouver sur Internet. Si vous regardez ça, voilà, les catégories d'articles qu'elle a pu faire, vous allez remarquer que c'est aussi polyvalent que mon ordinateur. Hein. Bon, enfin évidemment, je vais chercher ça chez les sources. Qui ont la même variété, la même qualité d'information que vous pouvez imaginer, je préfère fréquenter. hein? À tout, au fur et à mesure de ce qui se passe, quoi. Hein? Et là, il y a celle-là, OVNI interdimensionnelle, civilisation séparatiste, donc Breakaway Civilization, hein? Civilisation séparée. Oh. Enfin bon. Bon, écoutez, je vous remercie, je la mets tout de suite en ligne. Elle sera courte. Bon courage, c'est à la suite des révélations du projet Veritas. Mais celle-là, je vais essayer de la mettre sur YouTube.
Ça va être chaud. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai essayé de camoufler ce que je disais. Je vous remercie, à très bientôt, bon courage. On passe entre les gouttes et les aiguilles. Et on tient bon, hein? La mentalité, le moral, haut les cœurs. Quoi qu'il en soit, je vous dis, soit on essaye de se débattre et on a une petite chance de survivre, soit on fout rien et de toute façon, notre sort est réglé déjà. Imaginez bien qu'ils veulent nous empêcher de fumer pour notre santé, mais qu'ils nous balancent des chemtrails et du carbone nano et de tout ce qu'ils veulent, des métaux lourds, de la 4, 5, 6G. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est pour notre bonne santé, là? Allô? Vous savez, ils ont inventé des munitions bio. Ouais, ils ont inventé des munitions bio. Ah, je vous en montrerai là. Je vais faire une vidéo guerre. Désolé pour les copains pacifistes, mais il faut bien se rendre compte de l'évolution technique et de la situation là, hein, quand même. Hein. Parce que pour l'instant, on en est encore comme en 1939-45, quoi, hein, au niveau ouais, quasiment orgue de Staline, tout ci, tout ça. Bon, il y a les drones en plus et puis les bombes guidées, quoi, mais ça n'est encore que là. Hein. Mais il faut bien se rendre compte que ce que ça donne. Hein. Moi, j'ai vu des gars tirer au BMP là. Terminator dans la forêt, bah, dis donc, oh, j'adorerais, moi, je vais aller faire mon petit bois comme ça. Le gars, il se... oh, les gars, ils envoient des cartouches presque comme ça. Hein. Ouais, donc, ça fait. Alors, je ne sais pas, moi, ça doit être bio. L'explosif doit être bio. Le métal doit se dissoudre dans la nature. Je ne sais pas. Et puis après, maintenant, on va avoir accès, ben, les granulés pour les poêles à bois étaient rares et chers. Non, maintenant, il va y en avoir beaucoup. Le seul problème, c'est que de temps en temps, il y aura des bouts de plomb dedans, quoi, c'est ça? Du cuivre, du plomb et autres matériaux, style, ben, évidemment, uranium appauvri. Je ne sais pas, personne ne parle plus de cet uranium appauvri, là, mais je ne sais pas s'il y en a autant qu'ils en ont balancé pour la guerre de Yougoslavie, pour l'Irak, pour la Syrie, et pour tellement de sites de conflit que pendant 3 décennies après, les enfants naissent difformes. Mais tout ça, c'est évidemment pas pour nuire à la population mondiale, hein, à la natalité, à la suite de l'humanité en tant que civilisation durable, intelligente. Vous comprenez pourquoi des fois je rigole? Ben parce que je ne peux pas faire autrement. Sinon, je vais râler, je vais pleurer. Enfin, ça va être pitoyable. Je vais vous épargner ça. Allez, ok, bon. À plus. Et bon courage, hein, parce que franchement.